Morgen, allez, Iden, les chiffres aujourd'hui, le Lunishmat Avam Chayin, Orber Ben Fortune, Mazal Dov, Ben Yehudit, Micha, Machlouf, Ben Masoud, Anachman Yosef, Ben Choum, Ne Yaakov, Nissim, Ben Chana, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Micha, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Mila, Père Gimel, Mishna Dalet, Dishun, Misbeach, Apenimi, Veha Menora, Lo Neinin, Velo Moalin. Amagdish, Dishun, Batechila, Moalin Bo, Torin, Shelo Igazmanan, Ubne Yona, Sheavar Zmanan, Lo Neinin, Velo Moalin. Rabbi Shimon Omer, Turin, Shelo Yazmanan, Moalin Bain. Vene Yona, She'avar Zmanan, Lo Ne'elin, Velo Moalin. Une introduction tout d'abord, une notion qu'on a déjà vue plein de fois, mais on la rappelle, que toute chose que l'on a sanctifiée au Beth Amikdash pour en faire une avoda, dès qu'on a fini la avoda, eh bien, il n'y a plus d'interdit de Meïla. Je m'explique. On va parler en l'occurrence du déchaîne. Si on va se retrouver avec des cendres, ouais, on a pris, il y avait quelque chose à faire monter sur le misbéach, on l'a fait monter, on l'a brûlé, et puis après il reste des cendres. Si on a fini avec les cendres, on a fini la mitzvah, si toutefois on a fini avec la mitzvah, qu'il n'y a plus rien à faire avec les cendres, eh bien il n'y aura plus d'interdit de Meïla de profiter de ces cendres. Mais si toutefois il te reste encore une avoda à faire avec ces cendres, comme ce qu'on va évoquer, l'amener spécialement dans le Beth HaDeshen, dans le Beth HaDeshen qui se trouve dans la Zara, alors là, il y aura un interdit de Meïla. Oui, vous avez compris le principe? C'est très simple. Et maintenant, on explique un petit peu plus précisément sur ce qui se passe. Il y avait, sur le Misbéach, on brûlait plein de corbanotes. Il fallait ensuite prendre les cendres, les mettre sur le tapouar. Après, la première avoda du matin, c'était de prendre les cendres qui étaient sur le Misbéach. On en descendait un petit peu, on le mettait et elle en mettait sur le Beth HaDeshen, il y avait un endroit à côté du Misbéach, sur la rampe qui montait, il y avait un endroit par terre, où là-bas on jetait les cendres, et les cendres se faisaient engloutir sur place, et c'est un miracle. D'accord? Donc on jetait là-bas, il y avait un endroit où il fallait mettre là-bas des cendres. Il y a une insistance de la Torah, que les cendres que tu poses là-bas, il faut les laisser. Vesamo et tsel Misbéach, il rapporte le Mefarshim, un petit diouk, comment dire, Vesimo et tsel Misbéach, qu'une fois que tu l'as posé, il faut même le laisser. Ce qui signifie que ces cendres-là spécifiquement qui sont tombées à cet endroit-là, eh bien, il faut les laisser, donc celui qui va tirer en profit, il va transgresser l'interdit de Meïla. Par contre, une fois que j'ai mis de ces cendres par terre, si je viens avec des autres cendres, qu'il faut aussi mettre là-bas, mais qu'il n'y a plus l'insistance de la Torah de le laisser par terre, imaginez qu'il y a une autre cendre, en l'occurrence on va la trouver dans quelques secondes, eh bien, dans ce cas-là, dès que je l'ai posé, il n'y aura plus d'interdit de Meïla. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait la mitzvah. Ouais, c'est le principe est clair. Si la mitzvah, il faut en l'état, ça doit rester dans cette forme-là, parce que la Torah insiste que ce soit de la sorte, alors ça s'appelle que Odlo na asit mitzvato, tu n'as pas encore fait ta mitzvah. De ce fait, tu tires profit, tu rends un interdit de Meïla du sacrilège. Mais si toutefois tu as fini, il fallait juste la porter après, c'est pas grave ce qui va en advenir, et bien dans ce cas-là, celui qui va tirer profit, il n'y aura plus d'interdit de Meïla. Selon ce principe, on a justement trouvé une cendre particulière qui va arriver à l'extérieur, que tu dois la poser, mais qu'après tu n'as plus d'obligation de la laisser. C'est peut-être bien que ça reste, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas une insistance. C'est quoi cette cendre-là? C'est les cendres de ce qu'on va rapporter qui était dans le Echal. C'est-à-dire, il y avait le Misbéach, c'était le Misbéach Haritzon, il était à l'extérieur. On faisait là-bas brûler tous les corbanotes. C'était un bâtiment énorme qui faisait 10 amot, l'équivalent de 8 mètres, si on va selon 80 cm pour la Hama, 40 cm pour la Hama. Et 48, si je dis des bêtises, ça fait 9 mètres 6, c'est beaucoup plus haut. Il y avait en tout cas un très gros bâtiment sur 32 hamas, ça veut dire l'équivalent, on va dire 16 mètres sur 16 mètres avec une hauteur de 8-9 mètres, c'était énorme le Misbéach. Il y avait à part ça derrière le Misbéach, il y avait le Echal, et là-bas on rentrait dans le Kodesh où il y avait la Menorah et où il y avait dedans le Misbéach Haktoret, le Misbéach, l'autel de l'encens. Là-bas il y avait des cendres. Les cendres qui se trouvent là-bas, à la fois sur la menorah, parce qu'on a brûlé, après il reste des restes de petits lats, de mèches, et sur les restes de cendres aussi, qui restent sur l'autel de l'actoret, le Misbéach Haktoret. Il fallait les prendre, il fallait les sortir et les poser sur le Beth HaDeshen. Aussi, on les amène dans cet endroit-là, on les pose par terre. Mais dès qu'on les a posés, après, il n'y a plus d'interdit de Meïla, parce qu'on n'a pas d'obligation de le laisser. À la différence des cendres qu'on va descendre, qu'on va porter du grand Misbéach, du Misbéach Haola, en l'occurrence, ou là-bas, il faut le laisser tout le temps. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne, à moitié. La Gemara complète le reste, comme ça rapporté dans le Bartenora, et tout ce que tu en plus longuement. Dishun Misbéach Apenimi. Le Dishun, c'est les cendres
du Mizbeach HaPnimi, de l'hôtel interne, donc de l'hôtel du Mizbeach HaKetoret, l'hôtel du Mizbeach HaKetoret. De la Menorah, et aussi le Dishoun de la Menorah, de la Menorah, d'accord, du chandelier, candélabre, je ne sais pas comment ça se dit, en tout cas, la Menorah, eh bien, l'onéhinin velomalin. On n'a pas le droit d'en tirer profit, parce que ce qui a été Kadosh, tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Mais malgré tout, il n'y a pas un interdit de Meïla, comme ce qu'on a expliqué, parce que tu as un site mitzvato. Tu as déjà fait la mitzvah quand tu l'as sorti, ok? Deuxième sujet maintenant. Partie délicate. Délicate parce que ça peut être expliqué de plusieurs manières. Le Barthénois, il est comme Rachid, ils ont choisi une explication bien dure. On va l'expliquer tout à la fin. On va commencer d'abord par le chat du Rambam et de Tosfot, après on va reporter Rachid. Mais d'abord, je traduis. Amagdish Dishun Batechila, littéralement. Celui qui sanctifie, descendre au début. Mo'alimbo. Eh bien, il y aura un interdit de Meïla. Littéralement, la Mishnah semble nous enseigner que celui qui va prendre des cendres, il a un fourneau par exemple, il a récolté plein de cendres, eh bien, il y aura un interdit de Meïla avec ses cendres. S'il les sanctifie, c'est sa batterie là, ouais, ben, il y aura un interdit de Meïla. Comme ça peut amplement être expliqué, et c'est très simple. Et c'est une halakha, le problème, c'est que c'est une halakha trop simple qu'on connaît déjà de par ailleurs. Il y a une Mishnah qui m'enseigne que même un Magdish et Zivlo, vous savez, c'est quoi le Zevel? Zevel, c'est pas les poubelles en hébreu moderne, les Zevel, c'est les poubelles. C'est pire que ça. Dans l'hébreu antique, le Zevel, c'est ce qu'on appelle Mézabel les Sadot. C'est qu'on fait les engrais naturels. On parle des excréments. Et là, il y a une Mishnah qui m'enseigne que si celui qui va sanctifier ça coûte de l'argent, eh bien, ça appartient au Beth HaKabayit, c'est un bien du Beth HaKabayit, il y en a interdit de Meïla, même d'en tirer profit. D'accord? S'il a fait un gâteau avec, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Non, si elle a utilisé pour Bon, peu importe. Il y aura un interdit de Meïla sur ça, donc à plus forte raison sur des cendres, donc c'était pas la peine de me dire les cendres. Malgré tout, le Rambam l'explique, on parle de cendres, simple cendres de son fourneau. Tosfot n'est pas d'accord avec ça, à cause de cette question justement que c'est trop évident. Et Tosfot, il explique qu'on parle en fait que de ce type de cendres du Mizbeach que l'on a fait, qu'on a déjà accompli la mitzvah. Il y a plusieurs manières, on en évoquait une, et une autre manière, c'est tout ce qu'on a sorti au Beth HaDeshen, on a déjà eu l'occasion de rencontrer des... Quoi qu'il arrive, les cendres du Mizbeach, à part ce petit échantillon qu'on descend sur le Beth HaDeshen ici, mais il faut aussi sortir tout le reste au Makom HaDeshen, quoi qu'il arrive, il y a un moment où ces cendres, elles deviennent permises à la consommation. Et la Mishnah, permise, il n'y a plus d'interdit de Meïla. On a fini de faire la Mitzvah. On avait déjà porté une discussion, est-ce que c'est depuis le moment où on va lever le premier, ou bien est-ce que c'est au moment où on va tout sortir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a un moment où ces cendres deviendront permises. La Mishnah vient et m'enseigne justement, tu sais, maintenant que ces cendres, elles sont devenues, elles ont qu'il n'y a plus l'interdit de Meïla. Si toutefois, tu vas les sanctifier, c'est ça, Magdish, Dishun, Batrila. C'est qu'il restait le Dishun du Mizbeach, qu'il a sanctifié Batrila. C'est-à-dire que c'est pas que les restes de la première Gdusha, c'est qu'il a fait une nouvelle Gdusha. Eh bien, moi, Alinbo, il y aura un interdit de Meïla. En théorie, ça m'aurait beaucoup arrangé de m'arrêter là, pour cette part de la Mishnah. C'est simple, c'est clair. Seulement, faut être fidèle au Barthénora, et j'ai ma tête trop fatiguée pour rentrer dedans, quoi. J'ai voyagé, j'étais en France. Enfin, je vous fais ça très rapidement quand même, histoire de vous dire quand même un petit timbre de ce qu'il y a écrit. On parle de quoi? On parle... Oh, alors c'est une scène très compliquée, il y a un très long Tifaret Israël qui rapporte, qui explique, mais qui dit que c'est insensé, que c'est pas clair. On parle d'une scène, je vous explique très grossièrement ce que j'ai compris, c'est que il y avait, on parle toujours du fameux déchaîne du Mizbeach. On n'a pas le droit d'en tirer profit. Mais imaginez, on a déjà fait la mitzvah dessus. Donc, pour le moment, on n'a pas le droit de tirer profit, il n'y a pas d'interdit de Meïla. Imaginez quelqu'un qui va sanctifier la valeur. Non, on parle, excusez-moi, comme ça, je m'embrouille avec le Tifaret Israël qui a raboté un petit peu le Barthénois histoire de lui donner une allure. Je vais directement aller sur le Tifaret Israël qui explique le Barthénois, d'accord? On parle en fait qu'il y avait un déchaîne, qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. Quelqu'un est venu et qui a sanctifié la valeur de ce trou Matat Deshen. Donc maintenant, la valeur de son Matat Deshen, il va falloir amener un expert qui va nous dire combien ça coûte, ce trou Matat Deshen. Et il y a eu quelqu'un qui est parti et qui a tiré profit et qui a fait baisser la quantité ou la valeur descendre. Donc maintenant, il s'avère que, initialement, on ne savait pas combien. Quand j'ai dit que j'allais donner la valeur de ce Deshen, eh bien, je ne savais pas combien je devais payer, il fallait amener un expert. Maintenant, l'expert va venir et on ne va pas savoir combien j'ai fait baisser le capital, puisque le prix avait diminué et on ne sait pas de combien. Celui qui aura tiré profit, il s'avère qu'il va transgresser l'interdit de Meïla, parce qu'il y a une perte indirecte
Kozeo Ekdesh, c'est à peu près ça qui est écrit. C'est-à-dire, on parle en fait du déchaîne une fois qu'on a fait la mitzvah. D'accord? Ouais, c'est à peu près ça, je sais pas, je peux pas, je suis pas assez frais. C'est déjà un gros effort pour moi d'ouvrir la Mishnah, comme ça vous le roulerez demain à l'heure, mais HM. Mais ouais, si vous voulez étudier plus, regardez, essayez de comprendre, et à la limite expliquez-moi, ça m'arrangera. Et troisième partie de la Mishnah maintenant, Torin Shelo Igiazmanan, ou Bnei Yona Shavarzmanan. Pour rappel, lorsqu'on apporte des volailles au Beth Amikdash, il y a deux espèces. Soit les tourterelles, soit les pigeons. Torim ou Bnei Yona. Maintenant, la Torah, elle insiste. À chaque fois qu'on utilise le mot pigeon, elle ne dit pas Yona, elle dit Bnei Yona, un petit Yona. Tandis que le Torin, c'est toujours un grand. Et là, on avait appris déjà depuis Maseret Roulin qu'il y a Torin, qu'un Shabbat Torin passe au Bnei Yona. Il y a jusqu'à un an, c'est bon pour l'espèce des Yona, il faut la porter jusqu'à un an et pas plus. Et pour le Torim, il faut attendre la deuxième année. Là, depuis le moment où il est clos, l'œuf, eh bien, soit tu. Pour les Torim, il faut attendre qu'ils deviennent adultes. C'est-à-dire après la première année, la deuxième année. Et pour les Bnei Yona, il faut que ce soit spécifiquement la première année. La Mishnah m'enseigne maintenant. Tu as sanctifié un corban, tu as sanctifié une volaille, et tu en as tiré profit avant l'heure ou après l'heure. Donc, si c'était les Torim, c'était avant l'heure. C'est-à-dire, tu avais sanctifié, tu avais dit que tu devais apporter un corban, tu as fait une davat d'apporter une ola de Torim, enfin une ola ta'of, et tu as décidé d'apporter un Torim. Ok? Maintenant, tu les as pris, ils sont pour le moment trop petits. Mais il n'y a rien de grave pour le moment. Tu les sanctifies, tu patientes encore 3 semaines, tu amènes un cadeau d'anniversaire, après, tu pourras les apporter en corban. D'accord? Il a fait l'anniversaire, ça y est, il a passé l'année, tu pourras le porter. Donc il y a une gdoucha. Et ce qui se passe, c'est qu'il va tirer profit de cette volaille qui est gdoucha, mais que pour le moment, il ne peut pas apporter en corban. Ou, deuxième cas de figure, c'est le deuxième cas qui est plus simple. Je vous explique après pourquoi il est plus simple. Mais le Bnei Yona. Chez Avarzmanan, on t'avait dit un an, et tu l'as traîné pour la porter jusqu'à que la deuxième année est entrée. Maintenant c'est fini, le corban il n'est pas saoul, tu ne peux plus la porter en corban. Alors la Mishnah m'enseigne, ben, l'onéenin, t'as pas le droit d'en tirer profit, vélo moralin, il n'y aura pas d'interdit de Meïla. Et je ne vous explique pas tout de suite, je continue d'abord la Mishnah, on va faire de l'ordre, parce qu'il y a une partie facile, une partie plus délicate. Et Rabbi Shimon, non, mais Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Il va nous dire que Torin chez le Gazmanan, moralin ben, pour les Torin qui n'ont pas encore eu leur anniversaire qui est arrivé avec ta sanctifié, il y aura un interdit de Meïla. Mais ce qui n'est pas le cas des Ubnei Yona Shavarzmanan, que les pigeons qui ont passé la date, là, l'on henin velo moalin. Il n'y aura plus d'interdit de Meïla. C'est-à-dire, on a dit deux espèces. Les pigeons, les petits, on va dire, comme ça on est d'accord, comme la Torah l'a dit, Bnei Yona, on va dire les petits pigeons ou les tourterelles. D'accord? C'est-à-dire que c'est des grands. Donc, une chose de sûre, c'est qu'une fois qu'on a passé le temps, la période, t'étais limité, et dès que tu as dépassé la période que tu ne peux plus la porter ce corban, sache que cette fois-ci, il n'y a plus rien à faire avec une volaille. Parce que la Torah, elle nous a dit, lorsque tu as un problème avec un animal, avec une vache, avec un mammifère de corban, qui était Ola, ça pouvait être un mouton, une vache, ce que vous voulez, eh bien, quand il y a un problème, il y a eu un défaut, c'est pas grave. Tu vas racheter la gdoucha sur des pièces et tu vas acheter un corban à la place. Il n'y a aucun problème, on a des solutions. Pour les animaux, pour les mammifères, mais pas pour les volailles. Il n'y a pas de possibilité de racheter une volaille, ça n'existe pas. D'où le point de départ de notre Mishnah pour comprendre quelque chose. La volaille, il s'avère que quand tu as passé la date, il y a plus, elle n'est plus destinée à Hachem, il n'y a plus rien à faire. Alors elle garde sa gdoucha parce qu'elle a une fois appartenu, mais elle n'a plus une gdoucha qui va interdire de Meïla. Il n'y a plus d'interdit de Meïla, mais tu n'as pas le droit non plus d'en tirer profit. Ça, c'est quand tu as dépassé la date. D'accord? Maintenant, on va parler cette fois-ci des Torim, des grandes tourterelles. Que tu les as sanctifiés avant la date. Alors là, en théorie, on a dit, tu attends encore 3 semaines, 1 mois, et tu les apportes en corban. Mais pour le moment, il y a déjà une doucha. Mais une doucha qui n'est pas effective pour le moment, tu ne peux pas en faire quelque chose. Et quoi? Alors premièrement, sur ça, Rabbi Shimon Ivanir, bah, de ce fait, il y a une doucha, c'est un corban. Qu'est-ce que ça peut faire s'il faut attendre 3 semaines? C'est une valeur, ça coûte de l'argent, c'est un bien qui appartient au Batamidash, c'est un corban. Et bien dans ce cas-là, tu tires profit. Tu transgresses un interdit de Meïla, même s'il ne peut pas monter tout de suite, à la fin tu vas pouvoir le faire monter sur l'autel. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon et c'est très logique. Rachamim, ils ont aussi un avis très logique. Ne les soupçonnez pas, bon, Rachamim, mais ils ont une autre logique dans l'histoire. Ils vont nous dire, Rachamim, que non, on transgresse un interdit de Meïla que si, concrètement, tu as quelque chose à en faire, en théorie, depuis tout de suite. C'est-à-dire, on va prendre un cas d'un mammifère,
d'un mammifère où il fallait attendre un certain âge. Il y a aussi des corbanotes où il faut attendre haïl. La Torah a dit qu'il faut apporter un haïl, un bélier qui est adulte. Donc pas un mouton, pas un kéves, pas tant qu'ils grandissent. Si tu sanctifies avant, alors sache que dans un cas pareil, il y aura un interdit de Mela, même d'après Rabbi Shimon, d'après tout le monde, d'après Ramim, d'après Rabbi Shimon. Pour quelle raison? Même d'après Ramim. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il y a une Gdoucha qui est effective. Ah, il n'a pas encore atteint son âge, c'est vrai, mais imagine qu'il avait un défaut depuis tout de suite. Tu pourras racheter sa Gdoucha. Donc finalement, sa valeur qu'il a, elle est tout de suite exploitable, en théorie, selon le concours de circonstances. C'est pas besoin d'attendre, t'as pas besoin d'attendre une certaine date. Depuis tout de suite, c'est exploitable au cas où il y aurait un défaut qui va naître tout de suite. Tu rachèteras sa Gdoucha. Ce qui n'est pas le cas de ces tourim tant qu'ils sont petits. S'il y a un défaut qui vient tout de suite, t'as rien à faire. Donc pour le moment, la Gdoucha, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas encore de Gdoucha effective. C'est très théorique pour le moment, il n'y a rien de concret. Et de ce fait, il n'y aura pas d'interdit. Mais là, pour le moment, selon... C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlachak.